Bonjour à tous. Donc là, nous sommes toujours à Vancouver, devant le projet qui est derrière nous, le Butterfly. Donc le Butterfly, c'est le plus important projet immobilier actuellement à Vancouver. Donc 330 unités qui ont été mises en vente. Et accrochez-vous, la moins chère était à 4 millions. Et ce qui est intéressant dans ce projet, qui avance bien et qui va être livré dans 2 ans, c'est qu'une bonne partie des propriétaires sont des entreprises, d'accord, donc des sociétés. Et je pourrais faire un parallèle avec un autre projet d'envergure qui était celui de la tour Warner à New York, où là, accrochez-vous, 100% des propriétaires étaient des entreprises. Donc Annie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Pourquoi ces personnes achètent des appartements comme ça à plusieurs millions avec leur entreprise? Je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est pas que c'est leur entreprise, mais c'est leur entreprise qui permet de financer l'acquisition de ces différents projets. Puis ce qu'il faut retenir comme étant le mot-clé ici, c'est la société de gestion ou la fameuse holding. Donc, il y a une structure à mettre en place qui permet à ces professionnels, ces entrepreneurs, ces millionnaires d'investir à partir de liquidités qu'ils ont obtenues à travers leurs différentes activités. D'ailleurs, on va discuter davantage de ça lors de notre prochain webinaire qui aura lieu le 14 septembre prochain. Mais si on y va rapidement, les différentes raisons pour décider d'acheter avec sa compagnie, ce serait déjà d'avoir l'optimisation fiscale. Donc, ça permet de réduire grandement son impôt. Donc, ça nous permet de sauver puis d'investir puis d'en avoir plus pour son argent. Ça permet d'investir localement, donc de diversifier ses revenus à travers l'investissement immobilier ici ou en troisième lieu à l'étranger. Donc notre holding peut détenir des projets un peu partout. Puis ça permet également de planifier la succession. Donc si on veut acheter, bâtir un patrimoine et considérer de le léguer, bien, ça nous permet de préparer l'acquisition en conséquence dès maintenant. Bon, voilà, merci beaucoup. Quelques explications sur les avantages d'acheter avec sa société. Et comme j'aime dire, n'écoutez pas ce que disent les riches, regardez ce qu'ils font. Et on le voit comme ici, ils achètent avec leurs entreprises, ils connaissent les raisons pourquoi est-ce qu'ils le font. Donc voilà, alors on se voit le 14 septembre à 19h pour notre événement 21 façons d'investir en immobilier, la deuxième édition. À bientôt!